Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. Ce samedi, c'est le convoité prix du Bois de Vincennes qui servira de support au Quintet Plus sur l'hippodrome de Vincennes. C'est une course internationale de niveau groupe 3, ouvert à des chevaux de 4 à 11 ans ayant gagné au moins 160 000 euros. Il y a un recul de 25 mètres à 850 000 euros. Ils seront 13 au premier échelon, pardon, et 3 concurrents qui vont devoir rendre la distance dans ce très beau rendez-vous sur le plateau de Gravel. Le meeting d'hiver a fermé ses portes depuis peu, mais il y a déjà le meeting de printemps qui se profile sur l'hippodrome de Vincennes et cette épreuve sera l'occasion de revoir quelques vedettes de l'hiver. On va regarder ensemble le tableau des partants avec sur cette première partie de tableau des jeunes chevaux bien connus. Hip Hop au Fort qui est de loin le petit poussé qui restera ferré, sa tâche est compliquée. Anadémol le 2 effectue sa rentrée. Ampia MDSM a été l'une des révélations en début du meeting d'hiver. Elle n'a pas pu prendre part au prix d'Amérique, mais attention, elle revient ici avec de sérieuses ambitions. Cal Crown, un étranger désormais bien connu sur notre sol. Firecracker, un petit dur à l'effort. Attention à lui, en tête, il peut réaliser un numéro. Chalimard de Guèze est plus confirmé au trot monté. Sa tâche n'est pas évidente. On évoque ensuite Rebel Amateurs, le numéro 8, deuxième cartouche d'entraînement de Jean-Michel Bazir, qui sera très certainement bien armé dans cette épreuve. Express Jet, Elite Beaufour, qui part en tête, qui sera confié à son fils Nicolas Bazir. Il sera déféré des antérieurs. Attention à lui, on est sur la deuxième partie du tableau. Les plus riches du premier échelon, c'est Guderi Pré et Biloca du Boscay qui va disputer très certainement sa dernière course sur notre sol. Sa tâche n'est pas évidente. Et puis au 25 mètres, on retrouve des chevaux de classe à l'image d'Étoile de Bruyère, mais qui est plus confirmé au trot monté. Clean Game, le meilleur hongre en activité. Jean-Michel Bazir sera à son sulky. Et la plus riche de cette épreuve, c'est Baya Keno, qui elle aussi devrait très certainement disputer la dernière course de sa carrière. Allez, on a planté le décor donc de ce prix du Bois de Vincennes. Il est temps de faire le papier de cette épreuve. Avant le coup, je détache 5 candidatures. Je pense qu'il va pas trop y avoir de surprise dans cette épreuve. C'est quand même des chevaux bien connus, des valeurs bien établies. En cas de défaillance, il peut y avoir des surprises, mais il y a quand même des favoris qui tiennent la route. À l'image de Clean Game, le numéro 15 qu'on ne présente plus, c'est très certainement le meilleur hongre en activité. Jean-Michel Bazir nous a rassuré dans notre journal que vous pouvez retrouver tous les jours en kiosque, mais également dans notre édition numérique, dans sa rubrique hebdomadaire qui est sortie lundi. Il a dit que Clean Game était fin prêt pour ce rendez-vous, qu'il a très bien travaillé depuis sa dernière sortie. Il va certes devoir rendre 25 mètres, mais on sait que c'est un cheval de classe et je vous propose d'ailleurs de regarder une course de référence qui le concerne. C'était le 5 décembre dernier sur l'hippodrome de Vincennes, dans la clôture du Grand National du Trot, où ce jour-là, il devait rendre 50 mètres, et on a vu un Clean Game impérial dans la phase finale. On le voit s'imposer quand même très facilement dans un super lot. C'est un cheval qui est habitué à rendre la distance. Jean-Michel Bazir le connaît parfaitement. Il sera plaqué aux antérieurs, déféré des postérieurs. Il faudra rendre 25 mètres, c'est jamais évident, mais on sait qu'il a le moteur pour. S'il montre son vrai visage, Clean Game est un logique favori. Je lui oppose son compagnon d'entraînement, c'est le numéro 11, Elite Beaufour, également un petit dur qu'on connaît parfaitement, un hongre qui est âgé de 8 ans, c'est Nicolas Bazir qui lui sera associé. On sait que c'est un cheval qui a des références sur les parcours de tenue, qui est capable de tout faire et qui a des stats qui plaident en sa faveur puisqu'il sera déféré des antérieurs. On va regarder ensemble cette statistique. Il a été déféré 12 fois des antérieurs depuis le début de sa carrière. Il compte 9 victoires et 2 places, donc 92% de réussite dans les 5 premiers. C'est quand même des super stats. Nicolas Bazir a engrangé beaucoup d'expérience cet hiver, ayant notamment remporté le Grand Prix d'Amérique avec Davidson Dupont. Donc voilà, je pense que le match peut être très intéressant entre Elite Beaufour et Clean Game, même si dans sa rubrique, Jean-Michel Bazir a quand même une petite préférence pour Clean Game. Donc je fais confiance au maître et j'ai placé Clean Game devant donc Elite de Beaufour. Voilà deux chevaux qui offrent beaucoup de garanties. Mon troisième choix dans cette épreuve sera Ampia MDSM, qui portera ici le numéro 3, une des révélations de l'année 2021. Elle a aligné les victoires également en début d'hiver. Elle n'a pas réussi à obtenir la qualification pour le prix d'Amérique, mais on peut pas quand même passer sous silence les exploits qu'elle a réalisés. On la pensait être l'une des seules capables d'inquiéter FaceTime Bourbon, qui a depuis pris sa retraite. Ampia MDSM a remis les pendules à l'heure. C'est une jument de classe et on va regarder ses stats sur le parcours, des stats qui plaident vraiment en sa faveur sur les 2850 mètres de la grande piste. Elle s'est produite à 6 reprises pour 4 victoires et 2 deuxièmes places.
Donc 100% de réussite dans les deux premiers. Elle s'entend parfaitement avec Franck Nivard. Elle saura défaire des quatre pieds en tête. Elle est capable de réaliser un exploit. En quatrième position de ma sélection vient le numéro 5. C'est Firecracker, un cheval qui vient de se rappeler notre bon souvenir. C'est dans la discipline du trot monté. On l'a vu terminer deuxième de l'excellent Clex Deschamps. Et il montrait qu'il était revenu au top niveau ce jour-là. Et je vous propose de le revoir également en action hein, dans le prix du Forez. Ce Firecracker, c'était le 15 janvier de cette année sur l'hippodrome de Vincennes et on allait voir un Firecracker des bons jours prendre une excellente deuxième place ce jour-là. Il n'avait pu inquiéter le lauréat qui était Elite Beaufour qui réalisait quand même une drôle de performance dans ce prix du Forez, mais Firecracker se défendait quand même très bien pour prendre facilement la deuxième place sans menacer le lauréat. On connaît sa dureté, il sera confié à Eric Raffin, il sera déféré des quatre pieds, il part en tête. Firecracker peut prendre le train à son compte et est capable d'aller très loin dans ce prix du Bois de Vincennes. En cinquième position de ma sélection vient le numéro 8. Il s'agit de Rebella Matters, troisième atout de l'entraînement de Jean-Michel Bazir. C'est une jument de classe qui s'entend très bien avec Christophe Martens. On va pas la condamner sur sa plus récente sortie. Elle a été contrainte dans le prix de France de ramener le wagon de 3, d'être le nez au vent, et Christophe Martens l'a retiré de la course en haut de la montée car c'était trop compliqué avec ce mauvais parcours. Mais on sait que quand elle peut courir cachée, c'est une jument qui est capable de finir très vite. Je pense que la victoire, ça me paraît peut-être un petit peu compliqué, mais voilà, si elle a le bon parcours, Christophe Martens la connaît parfaitement, c'est une jument qui peut prendre une 3, 4, 5e place dans un tel lot, pas de souci. La tenue, elle l'a déjà prouvé à plusieurs reprises, donc elle offre pas mal de garanties. On va évoquer des chevaux qui ont peut-être plus des chances pour des 4, 5e places ensuite dans mon prono. Je pense notamment au numéro 9, c'est Fakir du Loro. On le connaît bien, il se défend courageusement. Maintenant, il a peut-être plus trop de marge face au tout meilleur, mais quand il peut avoir le bon parcours caché, il s'entend très bien avec son partenaire, il sera déféré des quatre pieds. Voilà, je pense que c'est un cheval qui peut être 4-5e s'il a le bon déroulement de course pour disputer le podium. Ça me paraît quand même un petit peu plus compliqué parce qu'il y a quand même quelques chevaux qui ont prouvé cet hiver qui était un petit peu supérieur à lui, mais de tous les combats, il est logique de le garder dans une combinaison. Le numéro 10, c'est Express Jet. Là aussi, on évoque un cheval de classe qui s'est déjà illustré au niveau des groupes. Il vient de prouver sa forme, lui, sur l'hippodrome de Caen en s'imposant assez facilement. Pierre Verquist le connaît parfaitement. À Vincennes, sur les longues distances, avec la grande piste, il a peut-être un petit peu moins de marge. Il n'a pas la possibilité de faire le fort, de faire le tour des autres. Mais c'est un cheval, une valeur sûre à ce niveau, qui est endurci, qui est aguerri dans les très belles épreuves. Donc voilà, lui aussi est tout à fait capable de prendre une 4-5e place dans cette épreuve. Évoquons ensuite la candidature de la plus riche de cette épreuve, c'est Bayakeno, le numéro 16. Légèrement décevante lors de sa plus récente sortie sur les promes de Cagnes-sur-Mer, mais il faut savoir qu'elle avait fait un coup de sang auparavant et qu'elle avait été un petit peu retardée dans sa préparation. Elle va disputer sa dernière course sur notre sol. Elle sera déférée des antérieurs. Elle a prouvé sa tenue à de nombreuses reprises. Junior Gelpa sera son sulky. Là aussi, la victoire de battre Clean Game ou Elite Beaufour, ça me paraît compliqué, mais Bayakeno, pour sa dernière en France, est capable de réaliser un exploit. Je pense qu'il faut la garder dans une combinaison. Le numéro 4, c'est Cole Crone, un cheval entraîné par le redoutable Thomas Malvist. Hein. Cole Crone, on le connaît bien maintenant sur notre sol. C'est David Thomas qui lui sera associé. C'est un cheval qui a surtout brillé dans les gros quintés, et pas les tout meilleurs... Les tout meilleurs chevaux, mais juste un petit ton en dessous dans les gros quintés de l'hiver. Il répond souvent présent. Maintenant, je le préfère peut-être sur des tracés un petit peu plus réduits, sur 2850 mètres. Je pense que sa marge est un petit peu réduite. Mais voilà, il sera confié à David Thomas. Il part en tête. Et là aussi, c'est un cheval qui, normalement, peut prétendre à une quatrième ou cinquième place à l'issue d'un déroulement de course limpide. On évoque ensuite Guderi Pré, le numéro 12, qui est un peu l'X de la course. Malheureusement, il est passé à côté de son hiver avec ayant connu des problèmes de santé l'an passé. Sa plus récente sortie est quand même un petit peu décevante, il restera encore ferré. C'est un cheval de classe, Jean-Philippe Monclin lui sera de nouveau associé. Maintenant, il a quand même besoin de rassurer, donc en étant ferré, malgré la qualité de son engagement, voilà, ça me paraît dur de disputer les toutes premières places, mais comme il a de la classe, on peut pas l'interdire d'être cinquième, parce qu'en valeur pure, c'est un cheval qui a quand même de drôles de références à faire valoir, et notamment sur les parcours de tenue, donc on peut le garder vraiment en bout de piste. On va ensuite évoquer trois outsiders, des chevaux qui avant le coup...
ça me paraît vraiment compliqué si les favoris viennent à faire leur valeur. Ça va être dur de s'immiscer à l'arrivée, mais pourquoi pas. Je pense à Biluka Duboskai, le numéro 13, qui est à la limite du recul. Elle sera déférée des quatre pieds. Ivurel se fait plaisir. Elle n'a pas démérité cet hiver. Maintenant, c'est vrai qu'elle est quand même barrée par quelques chevaux. Mais à la limite du recul, elle tentera de quitter la compétition par la grande porte et d'essayer d'accrocher le meilleur classement possible, même si avant le coup, sa tâche me paraît quand même un petit peu délicate. Le 7, Brillant Madrid, qui est lui aussi atteint par la limite d'âge. Il a 11 ans. On sait qu'il a parfois aussi des petits problèmes de santé, il semble bien actuellement, mais voilà, il a fait sa carrière, il a pris des gains, il est un petit ton en dessous des tout meilleurs. Donc dans ce lot-là, malgré la drive d'Alexandre Abrivard, j'ai quand même du mal à y croire pour les toutes premières places. Et puis là, si Pop au Fort, qui est de loin le petit poussé de cette épreuve, l'une des révélations du meeting, hein, il a fait belle impression à plusieurs reprises. Il a pris un peu plus de 100 000 euros pendant l'hiver, mais voilà, il n'a que 167 000 euros. Et le deuxième moins riche à 410 000 euros. Donc sa tâche paraît vraiment compliquée. Il restera ferré et le cheval prépare le meeting de printemps, donc qui débute. Il aura des engagements plus faciles à l'avenir. Et là, avec ses fers, c'est quand même dur d'y croire. Et puis il y a trois chevaux qui, pour avant le coup, pardon, leur mission me paraît vraiment très compliquée. Ça serait de grosses surprises de les voir à l'arrivée. Je pense qu'on peut faire l'impasse sur ces trois chevaux-là. C'est le numéro 2, Anadémol, qui n'a pas été revu depuis l'automne dernier. C'est Elsa Brivard qui sera à son sulky. Donc pour cette rentrée, ça paraît très compliqué. Le numéro 6, Chalimard de Gaze, hein, qui est la quatrième cartouche de l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Chalimard de Gaze, c'est un cheval qui est plus connu autre montée. Là, il restera ferré. C'est Romain Congar à son sulky. C'est une course pour le maintenir en condition, on va dire, avant d'autres échéances. L'impasse est vraiment tentante, et le 14 également, Étoile de Bruyère, une jument bien plus connue dans la discipline du trot monté, elle restera ferrée, elle est aux 25 mètres, à l'attelé c'est très compliqué. Là aussi je pense que on peut faire l'impasse sur ses chances, pardon. Voilà, on a fait le papier donc de ces 16 concurrents qui seront au départ du prix du Bois de Vincennes. On va maintenant évoquer le prono. Allez, mon pronostic, hein, dans cette épreuve, bon, pas d'originalité, malheureusement, je pense qu'il va falloir essayer de trouver le quintet dans l'ordre. C'est un quintet dit, je pense, avant le coup, de favori. Clean Game, le numéro 15, malgré son handicap de 25 mètres, je le pense capable de battre Elite Beaufour, qui portera ici le numéro 11, Ampiam et DSM, le 3, le 5, Firecracker. Et enfin, le numéro 8, c'est Robella Matters. Donc j'ai retenu 3 Bazir dans mes 5 préférés, mais c'est dur d'aller contre ces 3 chevaux-là. Avant de se quitter, je vais vous proposer un conseil de jeu. On va attendre la cinquième épreuve du programme avec le numéro 16, hein, Hidalgo Denoé, un cheval entraîné par Stéphane Provost qui vient de prendre part à un récent quintet plus sur l'hippodrome de Caen. Il était ferré ce jour-là, il a couru sans ambition, c'était une course pour le maintenir en condition, et là il fait face à un superbe engagement. Il sera cette fois-ci déféré des quatre pieds, il l'a été deux fois dans sa carrière, il a toujours terminé à l'arrivée. Il se plaît à Vincennes sur les parcours de tenue, c'est un cheval qui est capable de finir très vite. Gabi Gelormini le connaît parfaitement, il avait été très malchanceux dans un lot similaire l'avant-dernière fois, n'ayant jamais pu s'exprimer dans la phase finale. Au plafond des gains, même si l'opposition est très sérieuse, moi je le crois capable de réaliser un numéro, donc le 516 Hidalgo Denoé. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission de 100% Quinté. On se retrouve très rapidement pour de prochaines aventures. Ciao, ciao.